Hello, bonjour à tous. Allez, une petite communication que je me suis posé la question de savoir si j'allais la faire parce que, vous voyez, c'est un bazar monstrueux chez moi, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que je suis en plein déménagement, donc la qualité de la prestation risque de ne pas être celle d'habitude. Mais c'est pour communiquer sur un événement qui me paraît très important et que j'ai sous les yeux et que je me dois évidemment de relayer sur ma page. Il y aura d'autres communications avec un petit peu de setup plus amélioré. Mais voilà, là, je ne veux pas rater le lancement. C'est donc une communication sur le prochain championnat de France de Star Wars Légion. Alors, je vais m'appuyer sur la com officielle d'initiative Star Wars Légion et donc bien entendu de Toto Lastico. Donc le championnat de France de Star Wars Légion se tiendra le 22 et 23 octobre 2022 à l'espace Aland de Palaiseau. Donc Palaiseau, c'est dans le sud de Paris, 91 120 si vous voulez chercher sur Google. Ils sont organisés, comme d'habitude, hein, par Initiative Star Wars Légion en partenariat avec l'association La Souris Verte, que on remercie déjà. Pour les informations, donc ce sera organisé sur 2 jours. Ce sera composé d'une première journée de qualification et puis ensuite d'une seconde journée à élimination directe pour les joueurs qualifiés. Le tournoi continuera le dimanche pour les joueurs non qualifiés. C'est ce que vous avez toujours connu au niveau des tournois organisés par Initiative Star Wars Légion, et c'est comme ça qu'avait été organisé le premier championnat de France d'Initiative Star Wars Légion. Il s'agit d'un événement communautaire qui s'adresse à tous les joueurs de Star Wars Légion qui veulent se retrouver et passer un moment agréable. Je crois que l'accent qui est à mettre, c'est qu'il n'y a pas de niveau minimum à avoir. J'ai pas le détail là, essayez quand même de vous présenter avec des armées peintes. Je ne sais pas s'il y a une contrainte de la part d'Initiative Star Wars Légion, je le mettrai en commentaire sous cette vidéo. Mais je reviens sur le niveau. Historiquement, on avait vu pendant le premier tournoi que c'était pour beaucoup le premier tournoi qu'il faisait. Et ça s'est toujours très très bien passé. On a la chance d'avoir une communauté qui est extrêmement bienveillante. On a la chance d'avoir des joueurs compétitifs qui sont dans l'accompagnement des joueurs débutants. Donc franchement, si vous voulez jouer, si vous voulez découvrir un bon moment et si vous voulez vraiment approfondir le jeu sur 2 jours d'intensité rarement rencontrée, intensité à la fois dans le niveau de jeu mais aussi dans les échanges et puis dans le fait qu'on sera tous là, que ce sera une grande fête, là, il ne faut pas vous bloquer sur votre niveau, il faut absolument participer à cet event. Franchement, c'est le pied. Au niveau des inscriptions, donc elles sont ouvertes à partir d'aujourd'hui, ce soir 20 h, sur la plateforme T3 dont le lien est sous la vidéo. Pour valider votre inscription, donc il y a un PAF à honorer de 55 euros qui sera à réaliser à l'adresse de Thomas, qui est également dans le T3 et que je mets également en lien sous la vidéo, par un paiement PayPal entre amis. Parce que je crois qu'il n'y a pas longtemps, ça avait été. Il y avait des petites galères pour lui, mais rien que pour lui, ne vous inquiétez pas. Sinon, vous pouvez quand même profiter de l'assurance PayPal en faisant un paiement qui ne soit pas un paiement entre amis. Mais à ce moment-là, ce sera à votre charge. Et du coup, ça vous coûtera 1,94 € de charge. Voilà, pour avoir l'assurance. Si vous ne possédez pas de PayPal, vous pouvez réaliser un virement. Vous pouvez vous adresser surtout à l'adresse initiative legion@gmail.com. Là aussi, je mets le lien sous la vidéo. Au moment du paiement, vous n'oubliez pas de préciser votre pseudo T3. C'est très important. Donc le PAF. Ce PAF, il va couvrir 2 petits-déj, 2 repas. Du midi et puis bah, bien entendu les goodies. Pour l'instant, je n'ai pas le détail des goodies, mais je crois que l'année dernière, tout le monde était content de ce qu'il a eu.
Voilà, il n'y a pas de raison que ce soit moins bien. Le CF, il est ouvert à tous les joueurs francophones et uniquement les joueurs francophones. C'est une volonté de Toto Lastico et d'Initiative Star Wars Légion que je rejoins. On est là pour élire le champion de France. Voilà, on veut un champion de France qui parle français. Ça me paraît normal. Donc il est précisé également qu'on doit monter une cinquantaine de tables de jeu et qu'on demande un maximum de joueurs pouvant être qui pourraient prêter des tapis, qui pourraient prêter des décors, de se manifester en envoyant un mail à initiativelegion@gmail.com. Et de plus, si vous êtes intéressé pour être bénévole, vous pouvez aussi utiliser ce mail pour vous manifester. Je pense qu'on sera très content d'avoir des mains supplémentaires. Dernière info, les visiteurs sont autorisés et l'année dernière c'était gratuit pour eux, donc je pense que ce sera gratuit là aussi. Donc vous pouvez venir en famille, vous pouvez venir avec les enfants et par expérience, les enfants ils kiffent méchamment de visiter comme ça les tables et de voir les héros qu'ils connaissent bien, être alignés sur les tables, bien peints et tout ça. Et si vous êtes des joueurs d'autres jeux, et puis que Star Wars Légion vous titille un petit peu, et vous pouvez venir en tant que spectateur pour venir découvrir le jeu, venir découvrir sa dynamique, ses systèmes, et puis venir nous poser toutes les questions. Si vous voulez, par exemple, débuter et vous lancer dans le jeu, ce sera une très 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 bonne période pour le faire. Voilà, j'en ai fini pour cette info très très courte, mais que je me devais de relayer sur ma page. Vous comprenez qu'en ce moment, c'est un peu le bazar ici. Mais il me reste quand même à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour votre équipe d'en face. Et à vous donner rendez-vous début août pour le retour de Pierrot TV sur le web et sur le YouTube Game. Allez, à très bientôt.